Et on est vraiment dans la dernière phase de négociation. Les facilitateurs se réunissent encore, on continue le travail, on est vraiment sur le dernier sprint final, les 48 dernières heures, normalement, avant la remise finale d'un accord vendredi, normalement à 18h. C'est une remise où il y a beaucoup de latéral, avec différents représentants du groupe régional, avec 14 facilitateurs aussi qui l'ont nommé, de manière à réussir à d'abord donner une option politique, c'est important, et puis également avoir où sont les derniers éléments à trancher. La fidèle au poste, quand allez-vous? Ben, merci pour tout ce que vous faites, hein. Je pense que c'est excellent. Et puis pour le Action Day l'autre jour, ça fait rêver les gens. Hein. Et puis ils se disent, ben, au fond, ce qui était impossible est possible. Mais je vais vous retourner le compliment. Vous avez fait rêver les gens en amenant 152 chefs d'État ici. Ça, c'était un... C'est le genre de rencontre qui donne de l'espoir parce qu'on parle de solutions, on parle de comment les pays en voie de développement peuvent utiliser les nouvelles technologies de manière rentable, et on est dans une nouvelle ère, et c'est ça que la présidence française a montré. Ah, c'est un niveau supérieur à toutes les autres COP ici. Ce texte est plus court que le précédent, c'est une bonne chose. Au lieu des 43 pages que nous avions précédemment, il en fait 29. Et s'agissant du nombre de points entre crochets, ce nombre a diminué des trois quarts. Donc c'est un progrès. Mais il reste encore du travail. À partir de là, j'ai laissé toute l'après-midi jusqu'à 20h aux différents pays, aux différents groupes pour étudier le texte, puisqu'ils viennent d'en prendre connaissance. Et à 20h, il y aura de nouveau une réunion, comme celle que nous venons de tenir, où chacun fera connaître son point de vue. Et ensuite, j'ai dit à chacun qu'il fallait se préparer à travailler cette nuit et demain, sans discontinuer, probablement. Merci beaucoup.